dans la maison souterraine remportera de l'argent. Qu'est-ce que vous faites là? Wesh, wesh, les gars! Wesh, TikTok Crypto, aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une vidéo très particulière en compagnie de Momo Mali. Wesh les gars, bien ou quoi? Mini Crypto. Wesh les gars, bien ou quoi? Zakos Otakos. Bien ou quoi l'équipe? Et Khalid Marocki derrière la caméra. Voilà, Marocki. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque aujourd'hui la team, la vidéo, ça va être une vidéo piscine. Et aujourd'hui l'équipe, la vidéo va être vraiment super super spéciale parce que ça peut être une vidéo piscine normale la famille. Les trois participants vont devoir résister à des challenges vraiment hardcore comme d'habitude la famille pour résister à cette vidéo. Et le dernier qui gagnera, qui restera en dernier dans la maison souterraine, remportera de l'argent. La gamme. Oh les gars, je me transforme en Bob l'éponge. Comme d'habitude la famille, maximum de likes, de commentaires, de partages. Abonnez-vous la famille, activez la cloche, c'est la récompense. N'hésitez pas également à bombarder la barre d'abonnement la famille. Que je vous propose la famille, c'est de tout de suite découvrir la maison sous l'eau. Vous allez tout de suite y aller la famille. On va commencer la chaîne tout de suite. C'est parti. Les gars, celui qui va rentrer en dernier, il aura pas de place. Hein. Je rentre en deuxième. Hein. Et Zakos qui va rentrer en troisième. C'est stylé. Okay. Et la menée, il reste que toi, Zach. Voilà, voilà, t'es gris. Les gars, les trois participants sont actuellement dans la maison sous l'eau. Ce que je vous propose les gars, c'est que moi et Marocki, on va aller préparer les challenges. Le but les gars pour nous, c'est de les déloger de la maison les gars. C'est des squatters dans une maison et nous les gars, on va avec des challenges pour les déloger, pour les faire sortir de force de la maison les gars. Que ce soit mettre un serpent dans l'eau pour qu'il est dans la maison, que ce soit mettre des animaux, mettre tout ce qu'il faut les gars pour qu'ils sortent de la maison. C'est vraiment obligatoire. Le but, c'est qu'il n'en reste qu'un. C'est parti. Wesh les gars. Qu'est-ce que vous faites là? Wesh, wesh, les gars! Ouais! Vous galérez ou quoi? Ah, ma parole, y'a pas de place! Ça va être chaud, y'a pas d'air, les gars! Ouais, attends, tout le monde démonte le toit, frère, pour avoir de l'air. Ah, je vous conseille de faire attention à Yanis. Vous savez pourquoi? Il m'a montré les challenges. Non! Ah, vous êtes cuits, les gars! Non! Oui. Non! Voilà, bonne chance à tous! Je vais vous attaquer les gars. Du coup les gars, c'est parti sans plus attendre. On va passer au premier challenge. Verser un kilo entier de glaçons sur leur tête la famille. Peut-être autant ils vont croire que c'est des animaux. Ouais, autant ils vont croire que c'est une dinguerie, tu vois. Tu vois un toit qui s'ouvre et d'un coup un sac. C'est bizarre, franchement c'est bizarre. Apparemment je serais sorti. Allez, t'es prêt? 3, 2, et je jette. 1. Oh voilà, voilà les gars. Du coup la famille, ils ont bien pu attendre, ça fait environ déjà 2 heures qu'ils sont dans cette maison là gars. Et ils ont pu vraiment se régaler. Et là les gars, j'aurais tout demandé d'aller sous l'eau pour le deuxième challenge. Parce que les gars, Khalid, toi même tu sais frérot. Ouais bah oui, j'ai vu, tu m'as montré là. Une boîte comme ça, avec des trous. C'est qu'il y a quelqu'un qui respire à l'intérieur. Quelque chose qui respire dedans les gars. Je suis parti les acheter à Decathlon et c'est vraiment des choses vivantes la famille. Oui. Des choses qu'on va jeter dans l'eau. Ça peut être des poissons, ça peut être des crabes. À Decathlon les gars, il y a des poissons, des crabes et des serpents qui se vendent. Bah oui, c'est sûr. Donc les gars, on va aller tout de suite la famille. C'est vraiment vivant la famille. C'est vraiment la famille. Ouais, c'est quoi ça? C'est vraiment une dinguerie. Attends, t'es sûr? T'es sûr que c'est pas dangereux? Non, non, frérot, c'est pas du tout dangereux, t'inquiète. T'es sûr de ça? C'est vraiment vivant. Franchement, vivant la famille. Donc là, les gars, le but pour nous, c'est vraiment de leur jeter tout ça dans la cabane et qu'ils arrivent à simplement sortir de la cabane. C'est parti, la famille. 3, 2, 1.
Les gars, ils sont complètement tous sortis de la cabane. Ils ont complètement se regardé. Ils ont jeté la cabane à 6. Voilà la famille. Donc les 3 tout simplement éliminés. Sont éliminés la famille. Mais comme les 3 sont sortis en même temps, les gars, on va prendre le premier qui a été éliminé sera éliminé. C'est-à-dire Zakos, la famille. Ah là, Zakos. Et par la suite, la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la cabane et on va faire une finale entre Momo Ali et Mini Crypto pour savoir qui sera le meilleur. Voilà, tu peux rentrer chez toi, ma, la famille. Non, c'est un vote. Tu es sorti en même temps. Mais c'est pas ma faute. Non, non, t'es sorti en premier. T'es sorti en premier. Y'a la VAR, y'a la VAR. En fait, là, les gars, où j'ai été vraiment intelligent, c'est en fait, je savais que leur respiration était vraiment nulle. Donc, je savais qu'ils avaient déjà remonté à la surface. Et si je disais le challenge et je dis que c'était des fausses bêtes, personne n'allait y croire. Bah oui. Donc, là, les gars, j'ai bien fait exprès de soi-disant dire que c'était des vraies bêtes. Mais en fait, c'est des fausses bêtes, les gars. Et ça les a totalement pour ça, c'est pour ça, j'ai eu peur. Je savais qu'ils entendaient. Mais tu sais que tu aurais mis des poissons, ça aurait encore pire, là. La vérité, ils auraient tout cassé. Des trucs vivants, c'est bon, laisse-moi. Ils ont déjà tout cassé alors que c'était faux. La cabane est remontée actuellement, la famille. Zakos, tu vas nous aider les gars. Frérot, on va les faire souffrir. Moi, mon objectif, c'est qu'ils pleurent tous, okay, un par un. Donc là, ce que je pense, c'est qu'on va les laisser un petit peu une demi-heure, 45 minutes. Le temps qu'ils restent dans la piscine, le temps qu'ils restent dans l'eau, la famille. Et dès qu'ils sont restés une demi-heure, 45 minutes, on passe au dernier challenge final. Du coup, l'équipe, il reste que 2 participants. C'est la finale. Et la finale, les gars, c'est entre Mini Crypto et Momo Mali, la famille. Le but, les gars, aujourd'hui, c'est très très simple. Pour le dernier challenge, on va envoyer un requin dans l'eau, la famille. Et le but du requin, ça va être simplement de prendre un coup de patate les participants jusqu'à qu'il y en ait un qui sorte. Les gars, le requin aujourd'hui, c'est bien évidemment Khalid de la famille. Mais oui, les gars, c'est moi. Il s'est habillé couleur requin, les gars, couleur gris. Obligé, donc, les gars, obligé. Le but aujourd'hui pour Khalid, c'est qu'on l'envoie. Khalid, tu rentres dedans. T'inquiète pas. On va te passer une arme. On va te passer une arme. Tu leur mets des coups de batte, des coups de patate. Oh, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des limites ou pas? Il n'y a pas de limite. Ah, il n'y a pas de limite. Carte blanche. Carte blanche. Tu rentres, patate. Le premier qui sort, il sera éliminé. C'est bon, c'est bon. Ça marche. C'est parti. Et le seul qui restera remportera la somme d'argent, la famille, à la fin de la vidéo. On va enchaîner tout de suite avec le challenge. C'est parti. 3, 2, 1. Fini les. Khalid, fini les frères. Fini les. On sortira pas. Je sors. Mini Crypto est éliminé, la famille. Waouh, vas-y, c'est pas le. C'est pas. Ah, tu frappes. Mini Crypto. Éliminé. Qu'est-ce que c'est? Éliminé. C'était le dernier challenge. On va les rester très vite. Malheureusement pour toi, tu n'as pas réussi. On a envoyé un catcher, un requin dans la maison et t'as simplement perdu. Ma parole, va tuer. Ma parole, j'allais mourir, tiens. J'ai plus la tasse. Bon, Ali, c'est le grand gagnant aujourd'hui, la famille. Comment? Frère, il est rentré, il n'y avait plus de place. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Frère, déjà, on était serré, il n'y avait plus d'air. Voilà, il n'y avait plus d'air, c'est frère. Le grand gagnant du jour, la famille. Pas, j'ai gagné quoi? Pas des petites séquelles, tu as gagné de l'argent. Pas des petites séquelles. Yeah. Bitch, I'm sippin'.